Métropolis. Bonjour Dominique. Bonjour. Toi, tu as aussi plusieurs activités. Oui. Alors, tu fais du théâtre. Alors oui, j'ai un one-man show qui s'appelle Madeleine et Maurice, avec deux spectacles, Amour Vache et Abrin. C'est très relevé. C'est du Picard, c'est en chimie, je joue dans un petit peu partout dans les Hauts-de-France. Après, j'ai une activité, là j'ai un flyer. Je fais des baptêmes de l'air en autogire. Mais aujourd'hui, je suis là... Je suis là pour l'escape game qu'on fait tourner au musée Antoine Lécuyer. C'est l'héritage du conservateur. En fait, avec mes enfants, j'ai monté une société d'escape game en entreprise. Donc nous aussi, on est dans le jeu, on fait jouer les gens dans les entreprises. On a déjà installé nos escape games pour des belles enseignes, le Crozet, la Côme d'Aglo du Saint-Quentinois, Gazélec, etc. Donc on intervient dans les entreprises pour leur installer des escape games en team building. Et on a, pour l'Office du tourisme de Saint-Quentin, créé un escape game dans le musée Antoine Lécuyer, qui est sur le fonctionnement, les énigmes, je ne peux pas en dire trop parce que sinon je dévoile les secrets, mais les énigmes sont vraiment basées sur l'endroit du musée où on se trouve. Et c'est vraiment un escape game adapté au musée. Alors l'escape game, c'est quoi? C'est qu'on enferme les gens dans une pièce et ils ont une heure pour résoudre des énigmes, chercher, fouiller. Il faut de la communication, il faut chercher, il faut faire de la déduction, il y a un petit peu de calcul quand même. Et à la fin, on arrive à résoudre une énigme et pouvoir sortir vivant du musée. Et Madeleine et Maurice, ils l'ont fait ou pas alors? Madeleine, ils ont voulu le faire, mais Maurice est arrivé, il était à 3 grammes, donc c'était même pas la peine. Oui, parce que dans Madeleine et Maurice, il a un penchant pour la bouteille quand même. Ah, oui. Et Madeleine, elle râle tout le temps, alors forcément... Et alors, il faut dire aussi, en plus de ça, que tu as un métier. Hein. Ah oui, j'ai un vrai métier, oui, parce que tout ça, j'ai un gagne-pain, je suis infirmier anesthésiste et je travaille maintenant sur les plateformes de forage. Je suis dans le pétrole. Alors, et tu arrives justement à gérer tout ça, justement, avec presque 4 activités? C'est une question d'organisation, je dirais ça, parce que je suis aussi officier de sapeur-pompier. Mais parfois il y a un couac. Là j'ai eu un couac la semaine dernière, j'avais oublié que j'étais de garde chez les pompiers. Donc ils m'ont appelé, qu'est-ce que tu fais? T'es de garde normalement. Donc de temps en temps, ça m'arrive de merder, mais voilà. Ouais, c'est rarement quand même. C'est rare parce que j'ai un super outil, c'est mon agenda qui est sur le téléphone. Parce qu'entre les baptêmes de l'air, bon, les pompiers, les escape games, le boulot, Madeleine et Maurice, j'en oublie, puis la maison, la vie, les amis, enfin voilà, faut réussir à tout organiser, mais bon, c'est jouable. Hein. On n'a qu'une vie, il faut bien la remplir. Alors, comment on peut justement te contacter Alors, pour les escape games, là c'est Freedom Escape, c'est la société. Alors, pour l'anecdote, j'ai créé ça avec mes enfants. Donc aujourd'hui, c'est papa qui tient le stand, mais les enfants travaillent aussi. Donc pour nous contacter, il y a toutes les coordonnées là. Voilà. Après pour les baptêmes de l'air, c'est ici. aerodome.fr. Et puis pour l'escape game pour lequel je suis venu au salon Créa Ludique, l'escape game c'est l'Office du tourisme et des congrès de Saint-Quentin. D'accord. Eh ben dis donc, quelle activité, hein. On s'ennuie pas, hein. Je crois qu'on peut passer des vacances avec toi, on va pas s'ennuyer. Hein. Ouais, j'ai quelques histoires à raconter aussi, donc ça va, ça devrait aller. Merci. En tout cas, c'est un très bon salon, merci pour l'interview. Ouais, mais merci. C'est vraiment un beau salon, vivons l'année prochaine. C'est moi qui te remercie et on espère, de toute façon on se reverra, c'est sûr. Entendu, merci beaucoup.